Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 22e, ouais, 22e épisode de Pokémon Ultra Soleil. La dernière fois, on avait un enfant combattu Atom Skull. Et là, il faudrait qu'on aille sur... comment ça s'appelle? Il faudrait qu'on aille rejoindre le directeur Shen, qui va justement nous donner... comment on appelle ça? Un Pokémon dominant. Une racine énergie. Quand t'as le radiateur ici, sinon je serais pas venu sur cette vidéo. Alors, on va faire lui. Joe le boucher. Pour dépasser Barbara, il faut que je commence par dépasser ses Pokémon. Hein? Ouais. Enfin, pour combattre Barbara, pour être meilleur que Barbara. Arrête. Ah, je suis pas loin, c'est Gibus le cuisinier. J'ai dit Joe le boucher. Joe le boucher. C'est un bon bidou. Un bon bidou? Bon bidou. On dirait une mouche. Ou tu sais, les oiseaux mouches là. Ouais. Féerique. Yes, il a paralysé. Et salut Ruru. Et salut à toi Sky. Tu t'inscris comme ça dans ma vidéo. Faut savoir que 20 minutes avant ça, elle m'a achalé pendant 10 ans pour que je retourne la vidéo. Ouais, c'est ça. Quoi. Allez, viens s'il te plaît, viens, viens. Okay, arrête. Je veux pas ça dans les vidéos. Déjà. Pourtant, t'en as un vanille et un... un caramel. Moi aussi, j'aimerais ça en avoir un. C'est mal. Pourquoi? Chocolat? Il n'y a plus de chocolat. Ah oui, en vrai. Non? T'en parles de plus? Ouais. Ah non. T'es sérieux? Ouais. C'est une seule pour me faire chier? Moi je te dis que ça me va chier. Je sais pas. On a le caramel si tu veux. Non, c'est bon. Du coup, on continue. Le caramel c'est facile. Oh punaise, ok. On va prendre un petit expérience, un petit soutien. Ce jour, vous avez l'occasion de manger des crème dessert Leader Price. N'hésitez pas, ça vaut pas cher et c'est pas mal. Ouais. J'ai pas le sponsor, hein, c'est vrai. Hein. Le mec qui fait la sponsor. Comment t'appelles ça sur YouTube déjà? Sponsor. Non, pas du sponsoring, c'est. Bah oui. Des placements de produits. Placements de produits. La même chose. On prend une Tauros? On prend une Tauros. Alors on va aller rejoindre Samuel Chen, qui est pas si loin que ça. Par contre, le caramel il est pas terrible. Franchement, celui qui déboîte c'est la bonne. Ok, mais on s'en fout, on joue le Pokémon. Non, de sérieux, mec, c'est soit que tu t'es avec moi, soit que tu sors de la vidéo. Ok. Du coup. Ah, Caroline, je t'attendais. T'as rassemblé 21 emblèmes de domination, bravo. Pour tes 20 emblèmes trouvés, je t'offre une Angoisse très spéciale. Aussi gros qu'un Pokémon dominant. Angoisse, on peut... Du coup... Ah, c'est une Argus là. Ah, Argus. Ouais, c'est une Angoisse. Alors, le gène, on ne le trouvait pas à l'eau là. Mais il a été introduit il y a bien longtemps pour faire face à la profiliation de Rattata, tu vois? Ah d'accord. Alors on peut l'envoyer dans l'équipe, si on veut. Tu veux l'envoyer dans l'équipe? Tu veux l'envoyer au professeur. Les capitaines et les assistants de l'épreuve ont placé les emblèmes de dominants un peu partout à Alola. Si tu suis leurs traces, tu pourras avancer dans ton tour des îles. Ben je l'ai pas. Non. Attends. pensais que je l'avais. C'est beaucoup mieux maintenant que t'as le Tauros. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle le Tauros. Ouais, ça va plus vite. Plus loin. Non. Plus vite et plus loin. Ouais, vraiment un cran. Jet de sable, fleur, patience, démence. Vraiment fort par contre. Il est fort? Ah oui, il y a pas mal de PV et tout. Hein. Il vaut le coup de mettre dans l'équipe, non? Est-ce que je prends lui? L'arbibule, à chaque fois, tu le ramènes dans ta main. Ouais. Il est quand même niveau 20. Ah, c'est des 20 emblèmes. Hein? Il fallait 20 emblèmes aussi. Hein. Du coup. Les choses que tu n'utilises pas, c'est ton Miaos. Non. On voit jamais ton Miaos. Ouais, j'allais utiliser une couple de fois. Ah ouais? Ah ouais. Je l'ai pas eu. Ah. Oh non, c'est vrai, je peux pas passer par ici. Tout. C'est quoi ça? Ça ratatageur? Non, c'est... Mastouf. C'est un chien. Du coup, dès que t'as ce truc là et que t'es en mode charge, ouais. D'accord, dès que t'es au Tauros, tu le mets en mode charge. Est-ce que tu peux te faire agresser les autres herbes? Oui. T'as moins de chance, non? Non, t'en as autant. Okay. T'en as même plus parce que dans le fond, tu vas plus rapidement. On va descendre. Tous ceux qui bossent au ranch adorent les combats Pokémon. Te voilà réaverti. Dans la vie, il est essentiel de bien manger et de bien dormir, mais aussi de bien combattre. Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Nicole la Madeleine. Ah la mondaine. La mondaine. Ah là. C'est quoi ça? C'est un Pokémon de type proche? Ouais. C'est un stress. Ok. On l'essaye? Ah, viens. Il va être énorme le machin, non? Ouais, il est énorme. Ah, Goose Go! Ah ouais, d'accord. C'est pas un tout petit, tu comprends? Il est bien sous défense, non? Ouais. Ah, parce que... Ouais, ah oui, je vais faire rien. Non. Je vais prendre, finalement, je vais prendre un Pokémon haut. Comme ça au moins. C'est pas encore les Pokémon Rush? Ouais. Ah oui, ça y est, ça les fait, ouais. Mais t'as vu quand même comment il est énorme? Ouais. Le mec. Le mec quoi? Il est énorme. Le mec quoi? Il est énorme. Oh putain. Oh mon dieu, il t'a mis si cher que ça? Ouais. Et il m'a profité? Je... Non. Il est froid? Ouais. Mmh, oui, oui. Affûtage. L'attaque, oh c'est l'attaque. Ouais, ouais parce que ouais, affûtage serait genre, c'est genre tu prends un couteau plus aiguisé. Ah ouais. Ouais. Fibre à quoi. Et ouais, ouais. Tu vois, coup critique. Et... Ok. Non, mais je suis sérieux, sérieux. Ah, c'est pas, tu joues pas ta vie là, oui. Ah putain. Confus. Sois confus. Ciao. Quand même, hein. Oui! T'as gagné! T'as gagné combien d'XP? Niveau 21? On peut que se jouer... Bah on joue! On joue! On peut jouer avec la Switch. Ah mais t'es en train de jouer là. Et justement... Justement t'es en train de jouer, moi je regarde. Tu veux passer derrière lui là, non? Non. Ah non, ok. Tu es là pour l'épreuve, c'est ça? Tu tombes à pic. Il était peut-être là-bas, va le voir. Va la voir. Oui, c'est une fille. Ah, ok. Parce qu'il y avait écrit la capitaine, c'est ça? J'ai dit le capitaine, je crois. Il va falloir regrouper les meumeux, non? Comme ça, comme dans Zelda. Non. Comme dans Mario. Yep, c'est Barbara. Le ranch Ohana est très fier de son lait meumeux, son goût si doux, son onctuosité, je sais pas trop. Avec ses ingrédients magiques, tu peux faire une béchamel à te rouler par terre de bonheur. What? Tiens, puisqu'on se rencontre à nouveau, je vais te faire un petit cadeau pour piquer des asticots. Ils ont piqué la phrase d'Agmixem. Ah oui? Pas piquer des asticots. Une appel monture. Mastouf est très fort dès qu'il s'agit de déterrer des objets enfuis dans le sol. Il est fatigué. Quand tu te chevauches, use et abuse de ton tombé pour profiter du mastouflaire. L'essayer, c'est l'adopter. Alors profite-en tout de suite, il y a plein de trésors à découvrir. Pour repérer un objet, c'est pas compliqué. Quand tu t'approches d'un trésor, Mastouf se met à aboyer. Continue sur la route 5 pour atteindre la colline Clapotis. Tu devrais y croiser Néfi, une bonne copine à moi. Salut-la de ma part. Avec son odorat de fin limier, Mastouf est capable de dénicher des objets invisibles, enfouis dans le sol. Ok. Comment ça se fait? C'est stylé comme Pokémon Sun Mastouf. Ouais. Et c'est un Pokémon que tu peux utiliser pour combattre? Non. Ah oui, attends. Une eau fraîche. T'as le flair pour ça, Mastouf. Le meumu. Il a une sacrée moustache en fait. Ouais. Tu vois les Pokéfèves qui servent dans le café de centre Pokémon, ben elles ont été recaptées sur les îlots du Poké Loisir. D'accord. On pourrait... Mais c'est quoi ça? Ah, ça. C'est un rocabo. Regarde, c'est le rocabo qu'on vient de m'échanger. Il est craquant, pas vrai? Le X, c'est que je n'ai pas assez de tampons autour des îles, du coup il ignore tout ce que je lui demande. Et voilà. Celui qui rigole, dit, tu veux savoir pourquoi on a choisi de bâtir un gros ranch en plein milieu d'Alcala plutôt qu'une ville? Oui. Ah, c'est pas logique. Cet endroit d'Ahona est indissociable de la glorieuse histoire des pionniers d'Alola. Lorsque nos ancêtres sont arrivés jusqu'aux îles d'Alola, qui ont décidé de s'établir d'ici, la nature n'était pas des plus hospitalières. Armés seulement de leur détermination et de leur brave taureau, ils se sont mis... Pardon, maman. Ils se sont mis... à tout défricher, en appliquant à Akala, leur technique traditionnelle. Rien n'aurait... Ok, rien n'aurait été possible sans l'aide de Tauros pour les remercier. Ils ont donc été réservés... Mais... l'état les plus fertiles d'un établissement. Arrête! La ranch et le pâturage. Quoi? C'est quoi le délire là? Okay, je sais tout. Grâce à cette machine mystérieuse développée par un scientifique, certes un peu louche, je sais précisément combien de Pokémon sont venus en renfort lors des combats contre des Pokémon sauvages. Et comme je suis sympa, je vais partager cette info exclusive avec toi. Voyons. Très exactement, 2 Pokémon sont venus en renfort lors de tes combats contre des Pokémon sauvages. Tu veux connaître un secret? Apparemment, les Pokémon sauvages ont tendance à appeler du renfort quand leurs PV sont dans les rouges. Par contre, s'ils souffrent d'une altération de statut comme l'empoisonnement, la paralysie ou le sommeil, ils auront du mal à les appeler à l'aide. Et tu veux connaître un autre secret encore plus secret? Il existe des Pokémon qui apparaissent uniquement quand ils sont appelés en renfort. Si ce n'est pas la grosse info, ça. Pour la peine, je te donne ces ordres pour Frousse. Merci. Sors-toi, pour que les Pokémon sauvages que tu rencontres t'appellent encore plus de renforts. Ok. Du coup, on va faire une repousse. Tu élèves des Pokémon? Oui. Alors, merci. Ok. Ok. Avec la mèche. Et voilà. Les petits boudets. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de prendre soin d'un Pokémon pour les aider. Excusez. Oui, c'est ça. Du coup... je vais juste aller au centre Pokémon, les faire soigner. Désolée, je suis comme étouffée et tout. Non, t'en blâme. Un antipara. Monte à dos de ma waf. On arrive ici. Allô là, bienvenue à la garderie Pokémon. Ici, nous bichonnons les Pokémon que les dresseurs nous laissent en garde. Ces derniers temps, on retrouve parfois même un œuf avec les Pokémon qui nous ont confiés. C'est marrant, non? Bref, si tu veux nous laisser les Pokémon, va voir ma soeur à l'intérieur, elle peut t'aider. Oh, il y avait lui. Ok. Il paraît que dans les autres régions, ils ont un truc qui s'appelle la pension Pokémon. Tu peux y laisser tes Pokémon et ils s'occupent de les élever et de les entraîner. Mais ici, on se contente de garder un œil sur les Pokémon. On ne les entraîne pas, on ne leur apprend rien. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Et si tu nous confies 2 Pokémon, tu as une chance de trouver un œuf. Tu laisses 2 Pokémon, tu repars avec 3. C'est un bon plan? D'ailleurs, j'ai trouvé un œuf l'autre jour. Tu le veux? Ben oui. On l'a vu. On a obtenu un œuf. L'inclure dans l'équipe. On va enlever l'argouste. Même si je n'ai jamais entendu parler d'un œuf de Pokémon qui serait cassé, si tu trimbales un œuf de Pokémon assez longtemps, il finira par éclore. Même si avant la naissance, il est déjà entouré par l'amour de ton équipe, c'est super, non? Qu'est-ce qu'il y a dans cette top? Allez hop, un petit coup de Motus Couvelle. Compte sur moi. Les œufs de Pokémon éclaireront plus vite. Voilà. Feu roche au vol. Poison. Ok. Sinon, on prend le petit coquac. Faut changer un peu d'équipe. Du coup, on va terminer là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée pour les petits moments gênants. Un petit peu embêtants. Et du coup, on va se retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous fais des bisous. Merci à tous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve super vite pour le prochain épisode. Merci, au revoir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne comme dit précédemment. Et si tu veux regarder l'épisode suivant, tu as juste à cliquer sur le milieu. Dans le fond, le petit bouton là. Tu vois là? Le petit bouton. Milieu. C'est marqué. Épisode suivant, tu vois? Allez, des pouces bleus, bye bye, des bisous.